Bon, certaines sources qui sont assez fiables là, qui sont en train de se croiser, qui auraient dit bon bah Mbappé aurait annoncé cette fois-ci à Nasser Al Khelaifi que et donc au PSG qui quitterait le Paris Saint-Germain en fin de saison gratuitement. Écoutez, ainsi va la vie. J'ai envie de vous dire, c'est la fin d'une histoire entre un club et un joueur, mais en aucun cas c'est la fin de l'histoire d'un joueur et c'est la fin aussi d'une histoire d'un club. Les deux vont avancer, chacun de leur côté. Ils ont vécu de bonnes choses ensemble, ils ont vécu aussi des misères ensemble, j'ai envie de te dire. Moi, j'en veux à personne. Je trouve ce qui fait chier, c'est qu'il parte gratuit, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il a fait son temps au Paris Saint-Germain, il a peut-être envie d'aller voir ailleurs. Voilà, moi, ce qui me fait chier, c'est qu'il parte gratuit, en vérité. Certains sont attachés à Mbappé, certains ne le sont pas. Moi, j'ai décidé depuis pas mal de temps maintenant de plus m'attacher aux joueurs parce que je trouve que ça ne sert à rien, tout simplement. On reste attaché au club et pas aux joueurs. Voilà, il y en a qui diront merci Mbappé, il y en a qui vont l'insulter parce qu'ils ne vont pas accepter qu'il parte, parce que le centre du monde, c'est le Paris Saint-Germain. Moi, je ne suis pas de ce truc-là, mais en même temps, partir gratuit, je ne trouve pas ça terrible, mais c'est aussi une histoire que ça a été mal géré de la part du club. Voilà, tout simplement, à force de devoir se plier et de le laisser reprolonger seulement 1 an plus un, et ben forcément, tu partais à la catastrophe et que tu augmentais son salaire. Et puis qu'à un moment donné, soit tu pouvais plus payer parce que tu te mettais dans la misère, ou soit à un moment donné, bah, tu étais un peu pris en otage, entre guillemets, parce que tu étais pendu à sa décision. Voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, ben, c'est une fin d'une histoire entre un club et un joueur. Mais je le répète, c'est pas la fin d'une histoire d'un club et c'est ni la fin d'une histoire d'un joueur. Voilà, tout simplement. Ainsi va la vie et on avance.